Faut vite aller sur Hadji, voir ce qu'il va faire. Exé très solide. Et regardez Hadji tout de suite. Ça fait deux fois qu'il gogole Hadji. Et les deux fois sont très bonnes. Très très bien ça Hadji de la part de Hadji. Mais on a pris un timing au niveau de la longue. Oh là là, le flash pick. Et il va faire le kill. Dommage qu'il soit pas blanc parce que ça aurait été exceptionnel. Et pendant ce temps là, on voit qu'il y a un trou au niveau de l'appart. Et c'est justifié. Et c'est Smile qui prend un flash pick. On a une intelligence de jeu côté 3D Max pour le moment. C'est assez exceptionnel. On est deny. Et Maka qui va nous cheater à la gueule des gens. Pour bien faire des kills dans les smokes. Et on cross, et on cross, et on y va, et on y va, et on y va, et on s'arrête pas à côté Maka. Et on s'arrête pas, et on a vu encore la petite main qui dépasse. La petite main qui dépasse. Maka qui nous fait le triplé. La flash part, il l'a vu, il le sait. On sait qu'on est BP. Allez Hadji, c'est ton moment de briller. Tu l'as vu en haut. Vous kiffez les skins CSGO? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades. Mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisée. Let's go! Le match va commencer. 3D Max, c'est parti. On commence. C'était avec Hadji qui a mon combo talon, ruby, gant, slingle shot. Quand je suis allé au bootcamp, si vous avez pas regardé le vlog du bootcamp, spammez-moi des émotes 3D Max les gars, spammez-moi des émotes 3D Max partout. Eh ben il m'a volé mon téléphone, il a dérobé le Steam Guard et s'est envoyé les couteaux. On va retrouver Hadji les amis. C'est parti. Donc on est CT sur Inferno. On est en train de se diriger vers un pistol à 4 en A. Normalement exercise. Il va me faire péter du dual elite, non? Exé dual elite, ouais voilà, sur le contrôle appart. Et nous on a un antistrat de zinzin. Donc on est direct à 5 en B. Faut vite aller se mettre sur le key pour voir qu'est-ce qui va se passer, comment il va réceptionner ça. Il a une smoke pour essayer. Oulala, ça y est, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Il va se faire déborder. Ça va être dur. Oh le one tap de Lucky. Oh le one tap, il arrivera à survivre un peu. Oui c'est bien. Il bloque la banane. Il est en train de se faire CPL. C'est bloqué. On a encore un MS de la part de Lucky. Il a activé le shit. Il a activé le shit. C'est ça qu'on veut frérot. Ça boost tout de suite le contre-boost. Ça contre-boost instantanément. Djoko qui va faire un kill. On est 5v2 déjà. 5v2, bombe n'est toujours pas amorcée. Toute la banane est renfermée en plus. Oh, j'adore ce jeu. Hadji qui en fait un. Exe qui est déjà dans le cul pour mettre une flash boost. Et où est le dernier? C'est Smile. Si Smile met ce clutch, toutes les personnes qui tapent 1 dans le chat, je vous offre un sticker 3D Max. Quoi, 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 quoi? Non, pas de sticker pour vous les frères. 1-0, let's go baby. Pistol maîtrisé. Grand travail de Lucky. Grand travail de Lucky sur la banane. Il gagne énormément de temps. Il a des shots plutôt chanceux. Il bloque bien avec sa smoke. Son coéquipier, ses coéquipiers arrivent très vite au niveau du boost. On a renfermé la banane derrière. Beaucoup de réactivité. On est on point. C'est du B1, c'est du B1. Allez, second round. On a bail côté terreau. On a bail côté terreau et on a Maka déjà qui s'est infiltré au niveau du M2. Est-ce qu'on est attendu côté Jello ou pas? On a un contact. Maka qui va faire pas le kill. Il repart. Il repart Maka. C'est amorcé. Mais un bon moins 98 dans les dents, ça fait plaisir. On a déjà un mec à 1 HP. C'est déjà une petite victoire. Voilà. On a bloqué au niveau de l'appart. On a bloqué au niveau de la banane. On a des duels au niveau de l'appart. Hadji qui va pick up peut-être dans le mid. Lucky qui revient au niveau du A. On est 4 maintenant en A. Maka qui va finir son kill qu'il voulait sur Jello. Et on joue. Voilà, on joue tranquille. On se repositionne. Voilà, on fait un petit jump shot histoire d'avoir l'information sur le M2. Est-ce qu'on se booste au niveau de la short? Oui, on est proactif. J'aime bien ça. On se réadapte. On se repositionne derrière. On renferme également maintenant. On est en train de se redisposer au niveau du B pour rééquilibrer les forces. On est en 5v4. On est fort quand même au niveau de la short parce qu'on est boosté. On va peut-être pas s'y attendre. On manque peut-être un peu de stuff pour deny tout le monde. Et le B est bloqué. On a smoké au niveau du boiler. On veut laisser le mid ouvert pour les laisser venir dans le piège. Et on est en train de faire un mauvais choix là côté 3D Max. On est parti à 3 au niveau du B. Et Maka qui lâche pour être au niveau de l'appart. On est 2 pour réceptionner. Exe, Maka, le duo. Crossfire, pit short. On a Hadji qui est en train de revenir au niveau de la longue, mais il est hors timing, hein. Il est hors de position. Attention, il peut se faire surprendre. C'est en train de décaler au niveau de la short. On est vu, on en fait deux côtés Exe. On n'est pas vu encore côté Maka. Allez, on va faire le kill. On sait pas où est le dernier. Last au niveau de la longue. Merci, au revoir. Et on va save la M4. On ne perd qu'une seule arme sur ce round. C'est un quasi perfect. 2-0 pour 3D Max. C'est pas mal.
c'est vraiment pas mal. Exé très solide au niveau du pit. C'était un force. Donc franchement, on s'achète un peu de répit. J'apprécie. J'apprécie ce qu'on est en train de voir. On perd un P9. Ou on perd une petite arme. Mais cette arme, dans tous les cas, on arrive à l'upgrade avec la M4. Maka derrière se rachète un P9, comme vous pouvez le voir. C'est un sniper. Donc il est en train de se faire une économie peut-être. Petit HO au niveau du mid qui ne fera pas de dégâts. Et regardez Maka encore une fois, très proactif, très agressif. Il veut pas se laisser marcher dessus. Il va faire un kill. Il va en faire peut-être deux. Le but, c'est de faire beaucoup de dégâts pour essayer d'emmagasiner un maximum d'argent. Et là, on a envoyé la spéciale parce qu'on a pêché la banane en même temps sur une flash de Lucky. On perd une M4. On est vu en dessous. On va faire encore une fois un quasi perfect avec 4 armes de tombée. On va perdre un MP9, mais on récupère une M4. Donc au niveau de l'économie, c'est très bien. Maka, maintenant, il est à 6K. Est-ce qu'il va lâcher le fusil vert? C'est ça qui m'intéresse. Parce que là, Maka, bien évidemment, qui va lâcher le fusil vert. Très actif, très proactif. C'est le lead, Maka, pour ceux qui veulent voir, qui veulent savoir. La plus belle moustache de France. C'est comme ça que je l'appelle, moi, depuis des années. El Mustacho, mon ancien coéquipier. Et un humain incroyable, Maka. Vraiment un humain de zinzin. C'est parti, les frères. C'est parti, les gars. C'est parti. Round armée. Ouh là là, on prend mid rapide, là. On prend mid rapide côté Jeannot. Jeannot, pour ceux qui veulent savoir, c'est Alu d'Auto Aérial. C'est du top joueur finlandais. Des finalistes de Major quand ils étaient chez elle. C'est genre de truc. Adji, Exe, solide au niveau de l'appart. On arrive à faire un moins 2. On va récupérer la bombe côté Alu. Mais on est bloqué immédiatement par Exercise. On est déjà en 5v2. Maka qui va réussir à faire un kill. Et c'est Doto maintenant qui se retrouve en 1v5 avec la bombe à terre. Avec Joko qui va renfermer la banane en plus. On a toutes les informations. On ne grid pas. On économise un maximum d'armes. Si on ne perd aucun équipement, c'est une énorme victoire. Voilà. Et après, on pourra peut-être upgrade le MP9 de Lucky pour une Kalachnikov. Je prends. 4-0. Super travail, super boulot encore une fois. On a raté le setup à part, il me manque un peu des kits, je suis désolé. Mais l'autodirecteur de CS2 est une catastrophe. Donc il faut juste que je sente le jeu et que j'aille sur là où ça se passe. On est à part, côté M2. On envoie le contrôle. On a pris la banana 3. Maka revient au niveau du A pour se repositionner. Pendant ce temps-là, on a pris les appartements. On investit le boiler. Exe, toujours le gardien de ce balcon et de cet appartement. On est très reculé au niveau de la longue. On bloque au niveau de la charte. Ça va cross toutes les molos. On est en train d'aider en termes de support. On passe sur le BP. Moins 1, moins 2 pour Exe. Très solide la défense. Avec Adji qui vient aider en plus. Maka qui est resté au niveau de la biblio qui ne crossera pas la smoke. Adji, super boulot encore une fois. Lucky et Joko pendant ce temps là qui ont refermé la banane. On a du contact dans le mid. Lucky qui s'est fait un peu péter la gueule, donc il repart au niveau de la banane. C'est très bien parce que derrière on a la bombe à terre dans le BP. Et Alu qui est tout seul. L'achat poteau, l'achat de nous notre sticker. Ah, Exe il est sous Adderall. Exe il est chaud. Exe est très très chaud. Exe c'est quelqu'un qui a un potentiel énormissime. C'est le petit rookie de cette line-up entre guillemets, même s'il est là depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. C'est plus un rookie, mais à proprement parler c'est peut-être le joueur qui a le moins d'expérience dans ce projet là et croyez-moi, c'est le joueur qui je pense a un des plus grands potentiels pour devenir un joueur ultra complet. Parce que Joko pour moi c'est vraiment la machine de guerre de ce projet là l'IM vraiment. Je pèse mes mots quand je le dis, mais je vais le dire quand même. Pour moi, il a un niveau de T1. Pour moi, je vous le dis, Joko, il a un niveau tier 1 en niveau de l'IM pur. En termes de précision, les flics, vraiment, c'est une brute de skill. C'est incroyable. Maka, joueur complet, intelligent, capable vraiment de tout. Très polyvalent, à Whopper et tout. Lucky, on connaît ses qualités. Ancien joueur, major, sticker à son nom chez G2 et tout ça. Grand joueur. Adji, pareil. Envious, Falcon. Tellement de projets Adji et quelqu'un de complet aussi. Donc vous voyez, comme je vous le disais, Exe, pour moi, c'est le joueur sous-côté. Et on est à 5-0. Round encore une fois perfect hein, parce qu'on a réussi à mettre de la banque. On a réussi à mettre de la banque de côté, côté 3D Max. Et là, on va essayer de push un petit peu cette banane pour bloquer tout ça. Voilà, on envoie Lucky qui viendra sur la première zone. On mollo au niveau du wood. On prend, on grenade au fond. On est bloqué au niveau de la banane. Est-ce qu'on va essayer de la reprendre côté terreau? Ah, on se moque profond. Il va y avoir un contact. Ça va jouer sur des timings. On accroche, on s'écrosse, on s'écrosse. On s'écrosse et on n'a pas le timing. Aïe aïe aïe, Lucky qui s'est malheureusement fait surprendre par Doto. Les deux se sont croisés. On est 4v5 désormais. Mais on est deux au niveau de la banane. Parce que Joko est en train de s'activer, les amis.
Moins 1, moins 2 avec Maka qui est venu rejoindre. Pendant ce temps là on essaye tout de suite de réagir pour aller en A de l'autre côté. Mais Hadji se fait deny, il vient tout de suite aider au niveau du pit. Faut vite aller sur Hadji voir ce qu'il va faire. Exé très solide et regardez Hadji tout de suite, ça fait deux fois qu'il gogole Hadji. Et les deux fois sont très bonnes. Très très bien ça Hadji de la part de Hadji, mais on a pris un timing au niveau de la longue. Oh là là le flash pick et il va faire le kill. Dommage qu'il soit pas blanc parce que ça aurait été exceptionnel. Et pendant ce temps là on voit qu'il y a un trou au niveau de l'appart et c'est justifié. Et c'est Smile qui prend un flash pick. On a une intelligence de jeu côté 3D Max pour le moment, c'est assez exceptionnel. Et exercice impartial, on skill de mort, solide sur la part, sur la short, les repositionnements, la lecture, on bloque la longue, on revient au niveau de la short, on revient au niveau de la part. J'adore ce que je vois depuis 6 rounds. Pause tactique parce que les terreaux sont au fond du gouffre, ils ont le slip plein de caca, ils se chient dessus, lâchez ça, donnez-nous la victoire. Oh là là, la petite flash pick du M2 de Maka pour Hadji qui va se régaler avec un flash pick 5v4 désormais, la mollo ratée de Maka, mais ça c'est pour le spectacle, c'est pour nous faire kiffer qu'il fait ça Maka. On a bloqué pendant ce temps-là le B ou pas? On est bloqué au niveau de la deuxième zone, au niveau du muret. Zayn qui s'abonne, merci beaucoup les amis. Si vous voulez vous abonner pour aider 3D Max, pour me soutenir, si vous appréciez tous les projets, on apprécie. Lucky Joko qui se font un peu surprendre sur un petit kill. Et on bloque côté Lucky, très très bien. Maka qui force la rotation. On essaie tout de suite de s'engouffrer dans la faille côté terreau. Mais on est tout de suite repositionné. Vraiment, on a l'air plutôt actif et une bonne lecture de jeu pour le moment de la part des CT. Et des joueurs de 3D Max. Ah, Exe Hadji, hein, regardez, gros setup au niveau du A. Et là on bloque. Voilà, petit setup encore une fois. On a une micro ligne On est vu. La flash part. On se cache au niveau du pilier, moins 1, moins 2 côté Lucky. Voilà, c'est fini, merci, au revoir. Maintenant on n'est pas greedy. Voilà, on attend, Maka qui va faire le kill. J'applaudis, il y a de la rigueur, il y a de la discipline. Il n'y a pas de gourmandise. On est juste dans notre jeu. On économise encore une fois 4 armes. Je crois qu'on n'a jamais perdu plus de 4 armes, hein. 4, 3, 4, 5, 4, 4. Donc ouais, on a de l'argent. Là, on a de l'argent. Là, on peut voir venir. Là, on peut voir venir. Parce que même si on perd le moindre round, voire 2 rounds, on peut reset derrière l'économie. On peut revenir très, très fort. Zoilex, merci pour le sub. 19 mois de soutien. Merci, mon frérot. Merci, les amis qui vous abonnez à ma chaîne Twitch. Très important. C'est mon revenu le plus important. Donc, très important que je signale que quand même j'apprécie vos subs. Zoilex, Kazai, merci beaucoup. Alors, on bloque la banane, on essaye de, encore une fois d'agresser. Lucky qui va faire un kill à la molo. On est deny par la molotov d'hétéro derrière. On est revenge côté alu. On va se faire surprendre encore une fois dans une petite smoke. Lucky qui conteste. On est un peu aux aguets là. Là, on est un peu, par terre côté terroriste. Et moi j'aime ça là. Moi j'aime ça moi. Moi j'aime ça parce que derrière on est 2v4, on a Exe Maka, gardien du A, Exe regardez, hop, petit flash pick, regardez là, petit flash pick de Maka encore une fois pour vider l'appartement. On a bloqué au niveau de la longue, flash short parce que Jello est en train de mettre un peu d'activité, mais ça ne mord pas à côté 3D Max parce que regardez Lucky, très très agressif, très avancé dans sa ligne, sauf que Hadji lui démonte sa tête et on a la bombe à terre maintenant qui est jouable. On vient bloquer avec une molotov, le backup qui va arriver en rotation verticale, donc pour renfermer la map et en rotation latérale pour revenir avec ses potes. Voilà, Jello, ça y est, on a l'information, il vient de faire le kill sur Maka. On est vu, on double décale. Oh mon dieu la glissade, oh mon dieu la glissade. Exe qui va arriver dans le dos, sauf qu'il reste 30 secondes. Il faut verrouiller la bombe maintenant. Est-ce qu'on va perdre ce 1v4? Vous savez quoi les gars, ça ne me dérangerait pas de perdre ce 1v4, ça ne me dérangerait pas. Je vous explique pourquoi. Pourquoi? Parce que s'ils mettent le rune en ayant perdu 4 armes côté terreau, si on met le rune derrière, je vous dis on gagne ce side 11 à 1. Donc c'est pour ça que je vous dis il n'y a rien, j'ai aucune pression de perdre ce rune là. Si on le met, ils ont quand même leur bonus éco à 3k4 plus le bonus de plantage de bombe. Bon c'est pas grave, 7-1 c'est pas grave. C'est pas grave, on donne. C'est cadeau, on donne. Regardez leur argent, ils sont pas topissimes. Ils vont avoir un bail avec si là les CT jouent extrêmement lent. Si là nous on joue extrêmement lent. Moha, merci beaucoup pour le sub. Si les CT nous on joue très lent, c'est-à-dire faire deny leur stuff le plus possible. Voyez, ils ont des Galil. Ils ont des Galil, je sais pas s'ils vont pouvoir s'offrir à fond. Tu vois, lui il a qu'une HE. Avoir Aeria, les Dotos qui vont avoir comme stuff de la Molo, de la Smoke, etc. Voilà, du Mac 10. Donc regardez l'équipement, on n'est pas très bien. Parce qu'ils ont perdu 4 armes en ayant gagné le round. Ça veut dire que si nous, on joue très lent, on deny notre stuff à fond, on joue vraiment extrêmement passif. Surtout que là en plus, Alu, il a un AWAP. Ça veut dire qu'ils vont pas forcément faire des phases de jeu rapides et ce genre de trucs. Si nous, on est très passif, je vous assure qu'à la fin du round, mid round, là, les 40-30 dernières secondes,
il nous reste un peu du stuff. On peut gina une exec très facilement. On les reset derrière. Je pense qu'ils vont aller écho, un truc comme ça. Voilà. Bah non, faut gagner ce round là de manière late. Mais c'est pour ça que je vous dis 7-1, je suis pas si mal. Parce que derrière on les reset. On les reset monnaie. Ils auront juste un bonus, mais derrière on les reset. Donc là on a Alu qui prend contact au niveau du mid. Nous on bloque la banane à 3 avec Lucky Makajoko. Il se passera rien. Qu'est-ce qu'il nous fait le RL? Il la conteste, Doto il la conteste. Ouais, on va lâcher, on va lâcher. On va lâcher ou on conteste à fond? Est-ce qu'on va se battre pour la zone? Oh là là, le flash pick est incroyable. On a du spot. Oui, super. On a un kill. On a un kill côté Lucky plutôt chanceux. Et en plus, on a mis Doto à 1 HP. En plus, on a mis Doto à 1 HP. Donc, on est 5v4 plus un mec à 1 HP. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il me reste comme équipement? On a une smoke. On a plus de smoke. On a une flash molo. On a de la molo. On a plus de smoke. Il reste une 15. Il va falloir tenir encore une vingtaine de secondes. Qu'est-ce qui se passe? On joue là en côté terreau. Maca se repositionne au niveau du A. On est 5v4. On a un avantage numérique. On est en B. Qu'est-ce qu'on a fait en B comme setup? On joue lent, regardez, ça se chie dessus, vous voyez ce que je vous dis, il faut jouer lent, hop, on est smoké, on est deny, tu peux rien faire avec ton awa parce que tu veux décaler dessus. Je pense que ça se profile vers un save, hein, côté terreau là, moi j'en rêve, hein. Ils ont pas grand chose parce qu'en A ils peuvent pas. Sachez que quand on est limité comme ça au niveau des stuff, on peut pas, parce qu'il faut smoker ici, mollo au niveau du pit et c'est pas possible. Donc on va vite se regrouper en B, Adji qui va back up ou pas? Ouais, Adji qui back, on le sent, donc il reste 30 secondes. Et regardez le deny de stuff, le fait de jouer très lent, ça a payé. Voilà, donc là maintenant ils sont obligés de cross. Voilà, on en fera un. Joko qui va en faire un, qui va tomber. On est 3v3 maintenant. 4v3, pardon. Smile qui vient de faire le kill sur Adji. Et là, kill important. Et Joko qui va faire le kill. Joko qui va aller un peu trop loin, mais c'est pas mal. On a toujours un mec à 1 HP et un mec à moins 50 maintenant. Bon, Doto qui va faire le kill sur Maca. Celui-là, il est très important. Allez, exé moins 1. On sait l'info du deuxième. On connaît l'info du deuxième. Est-ce qu'on a une smoke? Est-ce qu'on a pas de smoke? Non, on flash une fois. On flash deux fois. On décale. On est vu. Non, Doto qui va faire le kill et qui va save son AWAP. Toujours 4 armes de tomber. Faut rester positif. Toujours 4 armes de tomber. Toujours rester positif. Si on met le moindre round, leur économie est aux chiottes. Voilà, regardez leur économie. Ça va pas bien. Nous, on a emmagasiné beaucoup d'argent. Donc on est toujours pas mal. Yeah. Croyez-moi, on peut toujours break l'économie. Je le dis pas en mode acteur, je vous le dis vraiment parce que c'est réel, c'est factuel. 4 armes de tomber, vraiment, les terreaux sont pas si bien que ça. Regardez, pas de stuff, très peu de stuff en tout cas, avec de la Galil. Doto par contre, il fait chier au niveau de la banane, que il cross. On est vu, et Joko qui va faire le kill, super. 5v4 encore une fois, faut pas le perdre celui-là. Alu qui arrivera à faire le revenge, 4v4. Ça crée des espaces et on a Adji, Lucky qui vont venir bloquer le B. Super, on a fait ça, on va essayer de réagir tout de suite. En réaction, de prendre le A ou pas. 4v3, avantage numérique encore une fois. Au niveau du B, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils vont pas se booster au spawn? Non, ils vont pas le faire. Ils sont en train de discuter, qu'est-ce qu'on fait pas? Je te donne le stuff, je te donne pas le stuff. Allez, faut aller se mettre sur Maca là. Ouh là là, Maca, il a des couilles frère. Il est dans le mid à 1-10, il accroche toutes les smokes. Quel zinzin frère. Oui Maca, non c'est pas passé. Le shot est pas passé, mais ça met un peu de pression. Il reste une minute maintenant. On n'a aucune zone neutre côté terreau. On n'a pas pris le mid, on n'a pas pris la banane. Même si nous les CT nous le savons pas. Est-ce que c'est bloqué au niveau du B ou pas? Un appel, y a pas d'appel. Nous on peut bloquer encore une fois. Voilà, on smoke, reste 40 secondes, c'est bloqué. Donc on va pouvoir mettre Adji tranquille. Allez Maca exé, très solide. Ça va être pour vous les frères. On a de la ligne au niveau du pit en plus. Est-ce qu'on a un contact? Est-ce qu'on a un contact? On n'a pas de contact, on est vu. On va mettre. Ah, il n'y a plus la porte. Eh ouais, il a oublié qu'il n'y a plus la porte sur CS2. On pouvait plus la mettre à rebond celle-là. Maca qui est pas vu. Exe qui a été oublié. Moins 1 d'exe. Moins 2. Non, ça passera pas. 2v2 maintenant. C'est une retake qui est totalement faisable. Merci Custo Geek pour le sub. Allez, putain. Maca qui nous a raté deux petits shots. Très dur. Allez, Adji qui va pour le late flank. On a du kit, on n'est pas trop mal. On a toujours un mec à 1 HP. Y a rien dans le boiler. On est en train de se parler avec Lucky pour la retake. On a de la molo pour deny le pit. Mais est-ce qu'on a envie d'aller pour surprendre ou est-ce qu'on va y aller avec le stuff? On y va pour surprendre. Non, on va mettre la molo. On va en faire un. On sait que le mec au niveau du BP, on l'a vu, on décale tous ensemble. Et ça passera pour 3D max. 8-2. L'économie des terreaux est pas dégueulasse parce qu'ils ont planté la bombe. Et on va économiser la WAP de Maca. Faudrait une pause tactique là. Là faudrait une pause pour les CT pour consolider ce round. Faut une pause pour les CT pour consolider ce round là. Là une belle pause là pour descendre de l'euphorie de ces 3 rounds qui étaient vraiment très tendax. 1v1, 1v1, 2v2, je vous le dis, c'est très tendax. Là en général t'as envie de calmer tout le monde.
Et l'économie des terreaux, comme vous pouvez voir, ça va pas bien. Hein, ils sont en force de zinzon parce qu'ils ont planté la bombe encore une fois. Mais regardez leur économie, c'est pas le top du top au niveau de, du stuff. Donc ils ont pas des possibilités qui s'offrent à eux très polyvalentes. Hein, contrôle de map, appel de jeu, fake, ce genre de trucs. Ils sont obligés de rentrer dedans et de gagner les duels. On essaie de bloquer le mid. Côté exé, la flash pick n'est pas passée. On s'est regroupé, on est très reculé. On est très reculé. Adji qui est dans la part depuis tout à l'heure. Est-ce qu'avec exé on y retourne? Oui, on va faire un petit setup comme on avait vu peut-être pour le premier round d'armée. Ouais, on est sur leur setup du premier round d'armée. Maka, qu'est-ce qu'il fait Maka? Il est sur la longue tranquillement. Et au niveau du B, on a bloqué au niveau du muret. Est-ce qu'on le sait qu'on a la zone en CT? Parce que là, je trouve qu'on a reculé d'un poil. Là, là on est descendu d'un cran en termes d'intensité. Ok, on est juste en, on est juste en shoulder pick. Voilà, là, on entend en plus que la prise de banane est envoyée côté Lucky. Donc maintenant, on sait que hop, ça prend la banane. Comme vous pouvez voir, on a la micro-ligne. Super setup là, très intéressant que vous puissiez apprendre un peu à jouer au niveau. Un enfer. En train de se regrouper vers le B. Comme je vous l'ai dit, ils peuvent pas faire de fake, le A c'est trop compliqué sans stuff. Donc ils vont en B, Maka est en train de le lire, on va aller à 3 en B. Ça sent pas bon pour le B. Allez Lucky, faut que tu rotas s'il te plaît au niveau du BP. Lucky rota BP s'il te plaît. Non, ouais on te donne le stuff, c'est toi, ok c'est toi. Et hop ça arrive, la CP elle est lancée, la CP elle est lancée, va falloir cross comme un zinzon. Va falloir cross comme un zinzon. Adji pendant ce temps là, regardez il a renfermé le mid, on a la bombe, Exe qui a renfermé le M2, super j'avais pas vu ça, il reste 20 secondes, c'est fini, le round est fini. Allez save, il n'y a plus rien à faire, ça va save côté terreau, on a fait le kill sur Adji, est-ce qu'on a peur d'aller en A, ça va save, Dotto encore une... Dotto il me casse le crâne, hein. Je vous dis, il fait peur, hein. Ouais, on va faire le kill côté Maka, mais là ça va save, oh, on fait tomber quand même pas mal d'armes, on a fait quand même tomber 3 armes. 9 à 2, dernier round. 9 à 2, dernier round. On a économisé deux petites armes côté terreau. Nous on est bien. Nous on est bien. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Comme je vous ai dit, il y a eu cette transition des 3 rounds hyper hyper tendax où c'est du clutch, du clutch, du clutch, du clutch. Mais là on est bien revenu. 9 à 3 ou 10 à 2. Let's go baby. Maka, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Un petit pic au niveau de la banane parce qu'il a un top spawn. Un 10-2. Ah ouais, je préfère un 10-2 qu'un 9-3, bien évidemment. On est deny et Maka qui va nous cheater à la gueule des gens pour bien faire des kills dans les smokes. Et on cross, et on cross, et on y va, et on y va, et on y va, et on s'arrête pas à côté Maka. Et on s'arrête pas, et on a vu encore la petite main qui dépasse. La petite main qui dépasse. Maka qui nous fait le triplé. On vide, on s'arrête plus. On vide toutes les zones. Il y a rien dans le Mexico. Il n'y a rien dans le Mexico, 5v1 maintenant. On a l'information que le dernier est dans le niveau du boiler, il est sorti au niveau de la short. On l'a renfermé, 4-4 Maka, super solide. Grande partie de Maka qui fait oublier son round où il rate quand même deux shots super, super facile. Ouais, peut-être le deuxième, le premier n'était pas si facile que ça, mais le deuxième était facile. 10 à 2, Pistolero, envoyez-moi ce que vous pouvez les frères. Donnez-nous votre meilleur pistol. Crucifiez-moi cette équipe. Allons chercher cette première victoire. Ne nous laissez pas d'habitude vous savez, moi j'aime les matchs quand ça fight, quand c'est serré. Je veux pas que ce soit serré là. Là je veux un 13-2 bien tendu. Parce que là même les 10-2 j'étais tendu. Donc imagine si ça commence à comeback. Il a traîné le pic banane. Oui oui c'est bien évidemment entraîné ça. Ça c'est ce qu'on appelle des moves indives. Donc ça c'est un pic Maka, tu vois, tu pourras le travailler en démo, tu vois, comme il fait Device, comme il fait Kenyes, comme il fait Monesi, et tu peux dire ouais, je pique Monesi, je pique Maka, je pique DW. Ça c'est un pic que tu vas bosser à l'entraînement, à blanc, tu vas refaire avec le stuff et tout, et tu le travailles en prac aussi, et tu le fais à un moment crucial pour vraiment faire mal quand t'as un bon pic, ce genre de truc. Donc c'est à sortir une fois dans un side, et soit ça passe, soit ça passe pas, c'est pas ça passe ou ça casse, mais c'est plus ça passe ou ça passe pas. Maka et ses coéquipiers. Voilà, on a un petit contact au niveau du C1. On sait qu'il y a un duel élite. On est vu. On a un triplé. Allez, Maka qui va faire le revenge. On est 3v4 désormais. On a brûlé avec la molo de Hadji. Super, on est 3v3. On sait qu'on a derrière la smoke des ennemis. 3v3, bombe amorcée. On va reload. On va se mettre dans une position contact au niveau de la hauteur du C4. On n'est pas renfermé au niveau de la banane. Regardez bien votre radar, il n'y a personne dans le cul. Est-ce que on va s'entendre? Oh mon dieu le timing. Oh mon dieu le timing de Maka.
On sait pas. Tiens, des mecs d'épée. Exé qui est en 1v3 maintenant. Exé peut-être en 1v2. Exé en 1v1 maintenant. On n'a pas de kit. On n'a pas de kit. Exé le sait pas. Pas de pression, frérot. C'est ton clutch. C'est ton clutch, frère. C'est ta victoire, ça, frérot. Va la chercher. 11 à 2. Ciao, lâche ça, gros. Putain, Macaque a pris un timing de zinzin, frère. Oh, Exe qui nous fait une game de fou, frère. Exe incroyable. Regardez, 16-6, incroyable. Solide sur la part, solide en défense. Et là, en terreau, mama, le pistolero, il est là. 11-2, 11-2, pas de pression. On a planté la bombe. On a planté la bombe en plus, donc on a un peu d'argent. Les CT, ils forcent. Donc on a du MP9. Comment on va jouer, nous, terreau? Qu'est-ce qu'on a? On a de la Galide, on a du stuff. Ou on est à la K et de la K. Ouais, on a du Mag 10, on a de la Molo pour dézoner. On a que deux Molo, ça me plaît pas. J'aurais bien aimé en avoir 3. Voilà, on prend en bloc. On est vu. Ah, on se fait rusher. On se fait rusher. On est bloqué tout de suite. Aïe aïe aïe, ça pique dans le. Aïe 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 aïe, ça pique dans le mid. Ça a fait. Je sais plus comment il s'appelle ce rune où il y en a 3 qui rush dans le mid, 2 qui rush banane et tout le monde se rejoint. Haji qui va faire le revenge. Ah là là, les deux sont B. Les deux sont B. Hein. Les deux sont B. Le A est libre. Est-ce qu'on le sait côté 3D Max? Floxy, merci beaucoup pour le sub. Flowis, merci pour le sub. C'est du direct, c'est du direct, les gars. Je calcule absolument pas le chat parce que là, la game, je suis en train de faire dans mon slip. Donc on freeze. On freeze. On a fait le choix de freeze. C'est pas plus mal parce que les CT vont devoir. Les CT vont devoir peut-être enfermer la map à un moment ou à un autre. Alu là, il va peut-être devoir push la banane et on va avoir du contact. On est en train de se regrouper vers le B. On est en train de se regrouper vers le B, c'est pas le bon choix. Parce qu'on pourrait être naïf si on a un premier contact et pas le deuxième. Est-ce qu'on est vu? Est-ce qu'on est vu? Oui, on l'a. Mais là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux. On est vu. Et non, il fait les deux. Il fait les deux. C'était sûr. On peut pas s'attendre à une fouinie. On peut pas s'attendre à une fouinie à ce moment-là. C'est trop dur. C'est trop dur de check le sandbag. C'est trop, trop dur. La fouinie, c'est trop dur. À ce moment-là, gros, il n'y a personne qui check. Il n'y a personne. C'est impossible. C'est impossible. C'est très bien joué de la part de Jeannot. Très très bien joué de la part des Finlandais. C'est un 50-50, c'est un pari qui est passé pour eux. 11-3. Ils mettent le force, Jeannot. Et nous, on décide de buy à notre tour également côté 3D Max. Ouais, Maxello, là, checker à cet endroit-là, à ce moment-là de la game, quand t'as fait un kill au niveau d'un mec avancé, franchement, faut. Si tu check, tu cheat. Tu vois, si tu check, tu cheat. C'est trop trop dur de checker cet endroit là. Fouini à des moments comme ça là, c'est impossible. Et pourtant, tu sais, c'est qualif et tout machin. Tu peux aller en débrief après dire, les gars, checker tous les angles et tout, on a été naïf. Non, là, tout le monde. Même Simple, il passe devant au couteau là. Il se fait cuter là, Simple, carrément. C'est sûr. Neofree, on est en pleine game, gros. 11-3, on est en train de mener. Mais c'est tendu, hein. C'est tendu. Hein. Moi, je sens pas qu'il y a 11-3. Pour moi, il y a 12-12, triple overtime là. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est les émotions là. Et on accélère en B tout de suite. Et c'est le bon pari parce qu'on est 5v1 maintenant. Le backup va arriver. Mais les entries sont faites de la part de 3D Max. 4v4, BP investi. Pourquoi la TV elle nous montre les couilles des CT, frère? Mais c'est quoi ce directeur automatique? On a la caméra sur les testicules des joueurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette game? T'es mal le directeur auto, frère. C'est un agent immobilier. Il me présente la ville. T'es mal, gros. C'est l'office du tourisme. On veut des headshots. 3v2, on est en train de se faire hit avec 3v1. Putain, je rigole, mais là on est en train de se faire comeback. Je pète mon crâne. Maca, il est à l'ouest, on est en train de retake. On est en train de diffuse. J'en peux plus, frère. J'en peux plus, putain. Allez, round d'armée. Les cartes sont remises sur la table. Les comptes sont remis à zéro. C'est parti, c'est un nouveau match. 11 à 5. Il nous faut 2 rounds pour la victoire. 2 rounds. Et on y va round après round. Tranquillement, sans pression. C'est parti. Voilà, on calme le jeu. On est en train de prendre la banane tranquillement. On est deny côté Lucky. Va falloir lâcher ça. On se fait pas wall. On lâche. C'est très bien.
Voilà, on est là, on joue calme, ça sert à rien de se précipiter, les CT depuis tout à l'heure, en plus ils deny à fond, ils sont très agressifs depuis le deuxième round, on l'a vu avec leur agression au MP9 dans les deux phases de jeu, donc faut juste jouer lent et délai énormément nos prises de zone, faut jouer vraiment beaucoup plus lent, on est rentré avec beaucoup d'agressivité dans cette game côté CT, mais en fait je pense que là en terreau, il va falloir vraiment jouer ultra passif, et jouer aux antipodes de ce qu'on a fait depuis le début de la game. Mobilhomme qui s'abonne, merci mon ami, c'est gentil. Voilà, et on va aller reprendre cette banane. On est 4 côté B. On est solo côté A. Donc la reprise banane peut être bien. Et à lui qui va faire le kill à la WAP. À lui qui avait la POV comme il fallait. Oh, super headshot de la part de Jello. Allez, y'a rien qui va là. Là, y'a rien qui va. Va falloir se concentrer. Va falloir faire une pause tactique et voir où est-ce qu'on va. Sur la map. 11 à 6. On bloque encore une fois la short, c'est un quasi perfect. On va save nos deux armes côté terreau. Là, il faut réfléchir là. Ça y est, les CT sont enfin dans leur game. Ils sont rentrés. Alu a l'air efficace sur son AWAP. Lui, il a un HP. Il continue de décaler. Là, Jello, il s'en bat les couilles. Donc là, il faut parler là. Là, une petite pause me ferait du bien. Moi. Petite pause là pour... ouais, on va économiser Naka, prendre la mollo. Ouais, Jello là, il a l'air serein là. Je vois beaucoup de sérénité alors qu'ils sont quand même derrière au scoreboard, les Finlandais. Et je vois quand même beaucoup de sérénité dans leur positionnement, comment ils redécalent, les zones qu'ils lâchent pas. Ils jouent quand même très agressif. Et on voit qu'ils lâchent pas l'affaire. Les CT, eux, ils s'avouent pas vaincus. C'est vraiment pas fini. La game n'est pas finie, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment pas fini du tout. Allez, on croit en vous les frères. Donc là, on a économisé deux armes. Il faut arrêter d'aller B les gars. Faut arrêter, ils ont trop de stuff, ils deny. Voilà. On prend des rafales de double HE, des molos. Trop compliqué. On a dézoné. Aïe aïe aïe, on va la reprendre. Hein. Ouais, on va la reprendre en plus. Ouais, smoke et molo. On bloque. On est vu côté Joko. T'es vu. Il y a tes fesses qui dépassent frère. Ah, faut arrêter avec la banane. La banane est verrouillée pour le moment. La banane est trop verrouillée pour le moment. Faut vraiment essayer d'aller tâter l'appart, le mid, faire un appel avant. Et le retourber comme ils avaient fait en milieu fin de round. Si on a encore du stuff, c'est pas mal. Mais là pour moi le B c'est compromis pour le moment. Là faut arrêter, là on est en TT. On est en TT sur les phases de B. 1, 2, 3, 4, 5 rounds. Ça fait 5 rounds là qu'on va sur le B. Allez, on est en train de verrouiller. Tac, la flash pop qui part. On en fait un, on en fait deux. Le perfect. Le perfect pour les Finlandais qui vont réussir à mettre de la banque. Ah ouais, ouais, les CT sont en train de faire. Les CT sont en train de faire une belle remontada là. Allez, faut lâcher ça là. Faut lâcher ça là, le B là, s'il vous plaît, les frères. Allez, en A. On fait encore une écho. On fait encore une écho, on prend le temps. Ok, on respire. 11 à 8 potentiellement donc. On fait un mini achat. Regardez le tab. On se laisse une marge de sécurité. Inferno map CT. Oui, oui, c'est une map CT, bien évidemment. C'est une map CT, bien évidemment. Et pas de glissade, quoi. Faut construire. Ouh là là, on a verrouillé le B là. Oh là là, on a encore fait le B. Maka. Maka a dit qu'ils font un kill. Deux kills de Jello. C'est verrouillé, 3v4. Je sais pas ce qu'on a avec le B. Je sais pas ce qu'on a avec le B. Mais je le sens pas, moi, ce B, les frères. Jello, on fait l'entry, hein. On fait l'entry, mais Jello arrive à en faire deux derrière. Même s'il a un HP. Et j'ai l'impression que Jello, il s'en bat les couilles. Hein. Il a un HP, il joue comme si il avait 4 vies. C'est compliqué. Donc. Parce que là, on retourne en A, mais c'est téléphoné, quoi. On sait qu'on a un kill au niveau de la short, on est vu. Le kill qui va partir, Hadjik a été vu. Est-ce qu'il va planter la bombe? Non. Il voulait quand même prendre un petit pic avant. Est-ce qu'on cross? Est-ce qu'on cross? Allez, Smiley. 1v2 pour Hadji, on sait qu'il y a un mec à un HP, il se replace au niveau du pit. La flash part, il l'a vu, il le sait. On sait qu'on est BP. Allez Hadji, c'est ton moment de briller. Tu l'as vu en haut. Oui Hadji, 12 à 7. Balle de match. C'est ça qu'on veut. Oh là 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 là. C'est pas fini, c'est pas fini. Round après round, round après round. C'est pas fini, c'est pas fini. Ça n'est pas fini. Ah, il fait du bien.
ça fait du bien, mais j'ai peur quand même. Allez. Est-ce qu'on va mettre une petite smoke au niveau de la banane là? Faut les deny là, faut les deny. Ouais. Prends Rache qui fait mal sur Alu. Un HP à lui, ça c'est une bonne nouvelle. On le sait pas, mais c'est une super nouvelle. Exercice qui fait un entrée au niveau de l'appart. Et on accède au niveau du A instantanément. Regardez, il est tout seul aérial. Et Alu est hors de position avec un HP. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on repart sur le B? Ah, on est en train de débouler appart. Super bon call. Une petite smoke moto, déboule appart, aérial tout seul. C'est très bien. Exe qui nous fait un excellent entry. Au niveau du M2, on avait une agression DCT. Je vous l'avais dit, hein, il jouait très sereinement. Et aérial, Christophe en main. Et oh là là, Exe qui nous montre que le spray de CS2 est totalement envisageable. Mais il n'y a que lui qui le maîtrise. C'est un genjutsu que nous avons oublié depuis CSGO. Moi, je spray plus comme ça, moi, sur CS, les frères. Il n'y a que lui qui peut faire ça, là, en courant. Là. Moi, je faisais ça sur CSGO, plus sur CS2. Téma ça, frère. Allez, les gars, 13-7. 13-7, merci, au revoir, ciao, 1-0, victoire de 3D Max, quel match, beaucoup d'émotions, beaucoup de maîtrise dans le side CT, on s'est fait surprendre en terreau et on s'est entêté sur le B, et les deux derniers rounds sont mis en A quand même, hein. Adji clutch en A et là ouverture en A, je tiens à le préciser quand même. Let's go, c'est la victoire. Oh, je suis content, je suis vraiment content.